Père, mes soeurs, chers amis, peuple de Dieu, Père Pédé, que moi challenge, baby, moi alors tout nouveau. Au moment de alors que vous êtes là, au moment que vous êtes là, j'avais été venu. Et m'a dit, au fond de moi-même, est-ce que gagner un mot parmi nos frères, nos sœurs, ou parmi nos amis visiteurs, le monde qui pénétrait ici, qui adorait avec nous, à Bourton, qui t'a sauté sans que vous m'avez dit, non, mais vous m'avez nous avons senti que la présence de cet Esprit de Dieu est complète. Que cet Esprit de Dieu est là. Du fait que nous en présence de Dieu, nous n'avons pas capable de bénir. Les jeunes, nous avons loué le Seigneur, les adultes ont senti que les anges de Dieu ont participé. Donc, thank you to the musicians. Thank you to everyone. La famille, source de joie, c'est du règne. La famille, c'est un don du grand roi. Je veux vous remercier, frères et sœurs, chers amis, peuple de Dieu. Et je veux aussi vous féliciter pour votre présence. On a annoncé qu'il y aura tempête de neige. Mais quand même, nous graver à l'ancien. Nous juger nécessaire pour nous retrouver nous dans la maison de l'Éternel. Félicitations, nous sommes sûrs certains que le Seigneur, dans sa miséricorde, va continuer de verser sur nos ennemis. Je veux dire aussi un grand merci à mon frère, mon ami, Elder Jacques Michel, pour la présentation. Et nous tenons à féliciter d'ores et déjà la capitaine, la chef-tête de ce groupe, ministère de la famille, celle qui nous a présenté votre servante, Sister Nancy Saint-Jean. Nous avons déjà senti que les armées pour le peuple de Dieu, nous sommes sûrs et certains que le Seigneur va continuer à l'utiliser comme il avait l'habitude de le faire. Et c'est sûr et certain, au nom de l'Éternel, grâce à Stapsa, familiaux davantage doit consolider. Nous aussi à profiter pour nous remercier Staff qui est là dans l'année précédente et à l'équipe la plus récente, Sister Mimos, à dire merci pour le travail pour nous. Aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis, peuple de Dieu, vous avez pu remarquer que je ne suis pas seul pour vous entretenir au nom de l'Éternel. Je suis gratifié de la présence de l'âme sœur, c'est notre sœur. You may understand that I have a double spirit to me. Chers amis visiteurs, chers jeunes, je suis heureuse et j'ai le privilège, l'honneur d'être à côté de mon mari ce matin et pour présenter le message de ce jour. Je dois vous dire que la famille, c'est ma passion. J'aime la famille. Et quel que soit ça lié, quel que soit côté lié, quel que soit ça pour le faire, c'est pour nous capable de faire que nous-mêmes nous dévouer, moi, I have to say, I committed myself.
à nouveau le texte qui a été signalé par Monsieur et Madame Elias. Nous vous invitons sensiblement à couper la tête, fermer les yeux pour une invocation. Notre Père, notre Dieu, si nous trouvons grâce à tes yeux davantage, que nous puissions sentir ta présence, efface-nous et que ton peuple soit béni à nouveau. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, lui qui vient qui règne au siècle des siècles. The family, the heart of the church. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 2, il est dit: j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. C'est ma tête, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes, des gouttes de la nuit. Parents de Jésus. Comment s'appelle la mère de Jésus?
c'était Marie du fait que Jésus t'a gagné une maman et Jésus t'a gagné un papa. Ça veut dire automatiquement que Jésus te fait partie, Jésus de mon famille. En d'autres termes, si tu es un homme là, pas que papa, sous tes vignes, sous terre, de par vous-même, à ce moment-là, on a dit que le programme famille va procéder. Mais une fois que c'est une maman, un papa, que vous devez être ensemble, et que vous devez faire, le Seigneur va une autorisation pour capable de dire que vous faites partie de la famille. On parle aussi des frères de Jésus, Jean que nous sommes tous, James, Jose, Judas et Simon. Aussi, on a parlé des sœurs de Jésus, des sœurs qui pas mentionnées dans la Bible, mais Jésus avait des sœurs. Et nous sommes capables de remarquer, frères et sœurs, chers amis, peuple de Dieu, songez que Jésus, sur la croix étant, alors que Jésus t'a souffri, mais il t'a gagné soin pour te dire d'abord à Marie. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loves standing by, he said to his mother, Woman, behold your son. Et après ça, nous voyons que au verset, le verset 27, nous voyons que Jésus, qui te gagne soin aussi pour te dire à Simon, à Jean, le disciple bien-aimé, il te dit, prends soin de Marie, maman. Jésus te dit, make sure que c'est vrai la souffrir, mais pour maman, retrouver-le en sécurité. Et ce même Jésus, frères et sœurs, chers amis visiteurs, ce même Jésus est le créateur de l'univers. Et c'est lui-même qui t'a créé Adam avec Ève. Pas vrai? Et lorsque il t'a créé Adam avec Ève, il n'a pas créé Adam pour être capable de dominer sur Ève, ou bien Ève pour dominer sur Adam. Mais il t'a créé tout pour être capable de sujet de Dieu. Donc tous les deux, pour être capable de soumettre à bon Dieu. Et il y a une formule pour mariage. La formule du mariage, c'est mon Dieu, plus le couple marié qui fait un seul. Et si mon Dieu va la donne, mariage non, pas passé. Si mon Dieu va là, pas passé. Elle nous dit 1 plus 1, 0 plus 1, ça baille. 0 plus 1, ça baille. 1, pas vrai? Mais Jésus lui-même, qui s'allait, c'est le zéro lié. Pardon? Est-ce que Jésus c'est zéro lié? Jésus est un, et c'est la seule opération qu'on peut jamais capable de faire. 1 plus 1, ou bien 1 plus 2, il va être 1. Parce que bon Dieu, lorsqu'il fait partie de la famille, il fait au fin faire une seule. Et tout le temps que bon Dieu lui-même est là, famille n'a pas été unie. Et lorsque bon Dieu crée Adam avec Ève, il fait yo capable de remettre un autre. Mais il y a un principe de remettre un autre monde. Si vous ne pouvez pas remettre tout, vous ne pouvez pas capable de remettre un autre monde. Et maintenant, la Bible nous dit verset qui dit nous, comment on peut remettre bon Dieu par où est-ce qu'on remettre le prochain qui va au dos. Et pour remettre le prochain qui va au dos, il faut remettre tête. Il faut fier de tête. Il faut prendre que le monde où il y a, c'est nous a même bon Dieu qui est verrouillé. Pas chercher pour capable de l'autre monde, pas chercher pour imiter un autre monde, mais chercher pour capable de remettre tête, parce que l'on remet tête, on doit pas remettre le prochain qui va côté. Et en plus de ça, il y a un problème qui vient dans pas remettre tête, parce qu'en plus, nous n'y pas un problème de c'est parce que on va remettre tête. Et si on va remettre tête, on va remettre tête dans l'autre monde, pas vrai? Si nous avons un monde qui fait un bon bagage pour moi, ça m'a fait, va faire un bon bagage pour lui, va faire. Et lorsque vous parlez de tête, vous venez tomber dans un problème qui est le self-esteem. Vous venez gagner une low self-esteem. Parce que vous pas gagner assez d'estime pour tête, vous n'avez pas d'estime pour l'autre monde non plus. Et c'est un problème, nous
capable de dire le plus souvent le peuple noir gagne parce que gagne un pire monde, gagne un long self-esteem. Et ça fait que ils sont pas capables de gagner l'autre monde. Et gagne un bagage qui fait cette vie un pire pour un monde, un pire monde noir, on voit ça pour les gens qui sont dans la vie de Florida, ils sont toujours mauvais. Ils sont toujours mauvais. Ils ne peuvent pas sourire pour l'autre monde. Pareil, qui s'arrive, son problème de low self-esteem. Et je dis à nous voir en quatre points comment nous sommes capables de résoudre le problème de self-esteem. Juste avant que nous voyons le problème en quatre points, donc qui gagne low self-esteem, nous gagnons un principe, ce principe que vous venez de voir, ce que nous appelons le principe 3-6. Par exemple, if you have only six, if you have six or eight, à ce point l'autre, le bon côté ou, mané ou trois. Est-ce qu'on gagne trois dans six? Normal, vous avez fait ça. Mais simplement, vous voyez que là, qui gagne seulement trois à bord, et puis vous l'autre, vous demandez trois à bord, est-ce qu'on gagne parler? Non. De ce fait, pour capable, bah, ça pour gagner, ou le gagner, sous pas gagner, pas capable parler, c'est ça. Ou doit faire ses soeurs, chers amis, peuple de Dieu, d'abord, pour satisfaire de nous-mêmes. Nous allons voir d'abord le premier principe que nous souhaitons, qui j'en nous capable de résoudre ce principe, l'eau self. Premier point pour nous capable de résoudre l'eau self-esteem, bien le problème de l'eau self-esteem, c'est pour nous capable de demander nous. Why? And the Bible says about that Psalm 43 verse 5, it says, why are you cast down, O my soul? Pour qui ça tête ma baie tête un problème comme ça? Pour qui ça moi web bagaille dans chance ça? Et deuxième bagaille les bonnes, les mauvaises compagnies, comment les bonnes mœurs.
Si moun nan ka kodo la tout dan se mal moun nan pale mal moun nan mal moun nan bon jwa pi wak pale mal moun tou ba ve. Si moun nan ka kodo la tout dan la ti bagay negatif negatif ou men bisan wak wak toujou panse men, men jan. Pou kapab rezout problem low self-esteem, panse pozitivman. Di ke ou men ou se yon kreatur moun dieu, mwen men mwen unik, pa gen lot moun di sanbe avem. Oh, même j'avais que verset 10, dans Somme 139, verset 14, je suis une créature si merveilleuse. Pas vrai? Et c'est pour ça qu'on a résolu le problème de low self-esteem. Par-dessus tout, frères et sœurs, chers amis, peuple de Dieu, nous avons rappelé nous que le mariage des happy marriage, does not start with finding the right person. But we've been the one person. Nous voulons ajouter quelque chose à ça. Nous voulons dire que le mariage, c'est même genre avec un poseau, après, par exemple, deux pistes dans le poseau qui semblent. Et pour pouvoir ranger le poseau, il faut mettre le white piece pour mettre la white pièce. Et c'est même genre, si vous avez aimé que le mariage est heureux, c'est pour pouvoir mettre le poseau dans le mariage. That means you are the right person parce que vous comprenez et vous mettez dans la folie. Ou pas mettre un genre pour nous en jouer nous, mais vous même aller pour jouer nous et vous mettez dans la folie pour nous capable de vivre avec. Le mariage, frères et sœurs, chers amis, peuple de Dieu, nous voulons vous rappeler que le Seigneur, dans sa miséricorde, comme notre bien-aimé sœur Mireille, sont chantés pour rappeler nous que le mariage c'est la source de la joie, c'est le don que l'Éternel dans sa miséricorde il nous a donné. Vous savez, le mariage c'est l'institution divine, son fondement. Le mariage lui résidait dans l'amour conjugal, dans la volonté des époux de s'unir en mariage dans un don total et exclusif. Je veux dire, dans un don total et exclusif. Le mariage pas gagné, une partie m'a marié, une famille, du fait que nos familles m'a cherché pour m'aider.